Coucou les amis! On se retrouve avec vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo crash test. On va crasher et tester, une blague de siècle, le masque chez Action qui coûte même pas 1€, je crois 90 centimes ou un truc comme ça. Masque pour les lèvres. Oh là là, mes cheveux, ça se barre dans tous les sens. Comme vous pouvez voir, je me suis maquillée déjà les yeux, mais j'ai pas fait le teint et du coup j'ai pas touché les lèvres du tout. Ce qu'ils disent d'ailleurs dans le mot d'emploi qu'il faut, bien nettoyer les lèvres, mais voilà, et juste après il faut mettre le masque. Alors je me suis en pyjama mode cool, alors on va commencer. Ce masque normalement c'est pour les lèvres hydratées, douces et pulpeuses, ce qu'on cherche. Avant d'utiliser ce masque, je vais vous montrer quand même l'état de mes lèvres. Il faut savoir quand même que mes lèvres, j'aime bien parce qu'elles sont assez pulpeuses, ouais. J'ai toujours ce problème là, ils sont, je sais pas, il y a beaucoup de rides, je sais pas comment on appelle ça. Voilà, ils sont presque toujours sèches, en été, en hiver, on s'en fout, mes lèvres sont toujours sèches, je dois les hydrater tout le temps. Du coup, ce truc là, je me suis dit, si ça marche, je vais dérober ce magasin, si ça marche vraiment. Alors sans plus tarder, on va voir. Hein. Alors, on va l'ouvrir ensemble, ça s'ouvre en bas. On va voir ce qu'il y a, il y a un truc dur en intérieur, je sais pas ce que c'est. Alors, on va voir, bim, hop, tic. Ça sent hôpital un petit peu. C'est un petit peu mouillé en intérieur, je sais, waouh. C'est quoi ça? Alors, c'est quoi ce truc? Normalement, il faut décoller et il faut mettre sur les lèvres. Et il faut faire genre masque pendant 20 minutes, 15 à 20 minutes. Alors, on va essayer de le décoller et on va voir ce que ça va donner. Alors. Ah. Alors, ça se présente comme ceci. Oui, il y a des... Ça sent l'hôpital, quoi. J'espère que... Ouh là là! C'est lourd! Regardez! On décolle. Ah oui, ça glisse! Ah! Alors... On est quoi? Je parle pas, c'est difficile hein. Alors le truc, j'ai remarqué 5 minutes après avoir mis le truc, en fait il faut retirer de deux côtés les petits trucs comme ça parce que c'est les protège. Il faut laisser que les trucs en silicone qui est enrobé de produits spéciaux, je sais pas quoi. Alors on va voir les résultats. Déjà j'ai envie de vous dire que dès que j'ai mis ces petites masques, tout de suite, ça commençait à picoter un petit peu. Je pense que le produit a commencé à rentrer dans le petit pore de mes lèvres. Et du coup, c'était comme ça pendant 15 minutes. Et du coup, je sais pas, je vais voir avec vous les résultats, ce que ça fait. Ils ont dit qu'après avoir retiré la masque, il faut masser le produit qui est resté sur les lèvres. Comme ça, ça pénètre bien. On va le faire, hein.
Voilà, je pense que c'est bon. Alors, on va voir les résultats. J'ai l'impression que c'est rouge. Attendez, je vais voir dans le miroir. Je trouve pas que ça repulpé en fait. Lèvres. Oui, ils sont hydratés, mais je vois pas la différence de malade. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, il n'y a pas de différence de ouf. Hein. Ils sont douces, ils sont hydratés, mais ils sont pas lisses, ils sont pas... Je sais pas. Bref, mais qu'est-ce qu'on veut pour hein, même pas un euro? Voilà, faut se poser des questions. Bon les gars, je pense qu'on a terminé ce petit crash test. On va cracher dessus, je pense, sur ce masque. Parce que déjà, il n'y a qu'une seule... Vous pouvez utiliser qu'une seule fois, il n'y a pas genre 2-3 utilisations. Je sais pas ce que je peux vous en dire. Je suis pas très appréciée, je sais pas. Peut-être pour les. En fait, ça remplace une utilisation de baume à lèvres. Ça hydrate le. C'est la même chose, peut-être à long terme. Si on utilise chaque jour ce masque, peut-être ça va donner les résultats. Mais sur moi, ça fait pas un effet de ouf. Et pourtant, j'ai envie de vous dire que mon exemple, il faut le faire hein, pour refaire mes lèvres, pour bien hydrater, pour bien laisser, parce qu'ils sont toujours... Ou peut-être j'ai souri beaucoup, je sais pas. À force de faire des sourires, peut-être ça se retire les lèvres, je sais pas. Je suis nulle. Pardon. Bref. Du coup, je sais pas, je vous conseille pas trop. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, vous. Peut-être vous avez acheté aussi ce petit masque chez Action. Qu'est-ce que ça a fait sur vous? Pour moi, c'est un flop pour moi. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Voilà. Sur ce, je vais finir mon maquillage, je vais faire mon teint et mes lèvres, je vais sortir. Je vous souhaite une belle journée ou peut-être une belle soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous me regardez. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie beaucoup. On est plus que 3000 sur la chaîne. C'est un truc de fou. Et ma chaîne, ça fait que un an que ça existe. Je suis hyper contente. Merci beaucoup les amis. Je vous fais des énormes bisous. Et je vous dis à bientôt. Bisous.